Samir qui vous parlait. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première astuce de Pokémon version écarlate. C'est pas vraiment une astuce, mais en gros, si vous avez le Wi-Fi, si vous avez une connexion internet, si vous avez l'abonnement de Nintendo Switch Online, vous pouvez récupérer un Pokémon très très cool de l'univers Pokémon, c'est-à-dire le Pikachu, qui aura un Terra Crystal de type vol. Donc, tout simplement, vous vous rendez donc dans votre menu, vous allez donc dans Poképortail. C'est comme la dernière fois dans l'épée bouclier, etc. pour récupérer, etc. Nous allons cette fois-ci dans le cadeau mystère via internet. Donc là, il va rechercher ce qu'on peut avoir. Voilà, Pikachu de type Terra Crystal Ball. Et donc après, on va pouvoir le faire. Comment dire, on va pouvoir le récupérer, on va pouvoir l'utiliser en fait. Le voilà, le fameux Pikachu. Nous avons un nouveau Pokémon en plus. Yes, trop cool. Pikachu, le Pokémon souris, quand il s'énerve, il libère instantanément l'énergie emmagasinée dans les poches de ses joues. Ok. Donc maintenant, très simple. Vous avez reçu un Pikachu. Votre nouvel ami a trouvé sa place dans vos boîtes. Allez le voir. Voir vos cadeaux mystères, qu'est-ce qu'ils disent ? Il disait rien. Ok, je veux juste voir le niveau qu'il a. J'ai cru que ça avait bugué. Commencez pas à me faire des bugs comme ça. Hein. Alors du coup, boîte PC. Ah oui, il est là. Tac, 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 niveau 5. Putain, fais chier, je vais pas pouvoir l'utiliser en combat. Voilà, Pikachu de type électrique, type Terra Crystal Vol. Donc je vous rappelle que les attaques, enfin les types Terra Crystal, c'est-à-dire qu'il va changer de type quand il l'utilisera, donc il sera plus insensible en fait aux attaques de type sol, il sera plus sensible aux attaques de type électrique, glace, roche, voilà. Et il a bien entendu l'attaque de type vol. Le Pokémon cherchant de score en électricité statique en tout contact avec lui peut paralyser. Voilà, voilà, et en plus il est modeste, la nuit, étant donné que moi, je peux le jouer à modeste, je veux le jouer à mixte. Bref, voilà pour la première astuce de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve donc dès demain pour un nouvel épisode ou une nouvelle astuce de Pokémon version écarlate. C'était Mega Samir. Bye tout le monde!